Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance spéciale pleine lune, notre pleine lune du 8 décembre 2022. Alors, pleine lune en gémeaux, bien entendu, aussi appelée lune froide. Juste histoire de nous rappeler hein, que cette dernière pleine lune arrive en saison hivernale, hein, bien entendu. Alors, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Vous avez vu, j'ai préparé mon 32. Nous allons faire un tirage à 13 cartes avec le jeu de 32. Un tirage à 13 cartes avec l'oracle des miroirs. Et un 13 cartes avec Monsieur Béline. Voilà les amis, je vous souhaite bien entendu la bienvenue sur la chaîne Carte Oracle 17. Et je vous remercie de me suivre. Alors, pleine lune du 8 décembre 2022 en gémeaux. Au dos, nous avons un homme qui a du caractère. Ça peut être votre homme, quelqu'un qui a du caractère, qui sait ce qu'il veut. Ou ça peut être tout simplement un homme. Il y a ici vous, ma consultante, si vous êtes veuve célibataire, plus de la cinquantaine, ou bien votre maman, en lien avec effectivement la maison, le foyer, ici, avec certitude en tout cas. Est-ce qu'il est question d'un homme, d'une démarche pour votre maman, niveau foyer, avec certitude. Mais attention, il y a peut-être un homme autour de votre maman, avec certitude, qui n'est peut-être pas très agréable. Attention, prudence, qui cherche peut-être à nuire. Alors, on a aussi, effectivement, l'activité du moment, l'activité professionnelle pour votre fille ou votre sœur, ou également pour votre fils, pour votre frère. Il y a quelque chose de familial, là, qui se met en place, concernant effectivement des bonnes nouvelles qui arrivent, qui sont là. Mais attention, prudence quand même. On a quelqu'un qui essaye de torpiller ces bonnes nouvelles. Ça peut être tout simplement un projet hein, autour de votre maman. Ou bien pour vous, comme je l'ai dit, veuve, célibataire, plus de la cinquantaine, peut-être un projet hein, aussi avec votre chérie. Alors, voyons voir un peu cette pleine lune du 8 décembre. Émotionnellement, il faut savoir que tout va être décuplé, bien entendu. Alors là, on a quelque chose de beau qui démarre. Alors, on a des nouvelles qui vont arriver, bien sûr. Mail, écrit, recommandé aussi, hein, bien sûr. Bon, évidemment, ces nouvelles vont être retardées. Ou bien les nouvelles qui vont vous arriver vont vous annoncer un contretemps, un retard. Ça peut être un retard de jour, un retard d'horaire, hein, tout simplement. Rien de bien méchant. Et alors, nous avons un événement qui est du lointain. Effectivement, un événement, ben peut-être qu'il y a un report hein, de rendez-vous, il y a un report de déplacement, il y a un report peut-être en lien avec une autre ville, un autre département, une autre région, ou peut-être aussi un retard de rendez-vous qu'il y avait peut-être avec un homme qui habite au lointain. Eh bien, c'est un homme officiel. Il peut y avoir effectivement des nouvelles. On vous annonce peut-être qu'il y a un report, un contretemps de rendez-vous, d'entretien, de rendez-vous, oui, en lien avec cet homme officiel. Ça peut être aussi oui, on a doublement un homme qui porte un uniforme, là, hein, doublement. Alors, bah, ça vous travaille quand même. Alors, attention, prudence aussi, est-ce qu'il n'y a pas un rendez-vous médical qui est reporté? Vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Et comme on avait vu votre maman tout à l'heure en dos, est-ce qu'il n'y a pas un rendez-vous médical pour votre maman ou bien tout simplement pour vous-même qui est reporté? Quoi qu'il en soit, il y a un rendez-vous, une convocation, un entretien qui est simplement en rapport avec un homme officiel qui peut être reporté et qui vous travaille. Ça peut être aussi dans le domaine médical comme on l'a vu. Bon, c'est pour un nouveau départ, c'est pour quelque chose de joli. Il peut y avoir pour certaines personnes un rendez-vous aussi. Si vous êtes en âge, bien entendu, d'avoir un enfant, il peut y avoir un rendez-vous pour une grossesse. Un rendez-vous, donc, justement, avec un médecin pour une grossesse. Alors, bon, on a par rapport à ce nouveau départ, à ce nouveau projet, on a effectivement là un blocage directement, un souci avec l'homme officiel. Alors, la situation, l'événement est bloqué. Et il peut y avoir un problème, là, de nouveau départ, peut-être de l'ordre sentimental avec votre chéri, quelque chose qui bloque. Il peut y avoir peut-être quelque chose qui devait se faire officiellement. Je pense notamment au couple qui voulait peut-être se paxer, notamment. Il y a peut-être une démarche en ce sens qui peut être bloquée pour l'instant. Il peut y avoir aussi
un entretien tout simplement avec un homme officiel, avec votre chéri ou pour votre chéri, qui est, on va dire, bloqué, retardé. Ça peut concerner un grand changement, ça peut concerner un déménagement. On a le sentiment que pour l'instant, officiellement, les choses stagnent. Voilà, j'ai trouvé le bon mot. Quoi qu'il en soit, autour de ce grand changement pour votre chéri, si c'est pour vivre avec lui, c'est une réussite. Si c'est pour un projet avec lui, les choses vont se décanter parce que nous avons la réussite qui est là. Et vous allez être averti assez rapidement, la situation en tout cas va se débloquer très vite. Regardez ça. Vous allez pouvoir signer, vous allez pouvoir vivre ensemble, vous allez pouvoir monter votre projet. En tout cas, magnifique. Et il y a la signature au niveau finance également. L'argent est là. On acte, on signe. En plus, elle est à côté de l'as de trèfle. Vous avez un magnifique tirage qui va être très émotionnel, forcément impacté avec cette pleine lune en gémeaux. C'est superbe. On voit qu'il y a des projets qui sont là pour votre chéri, bien que ça ait été à un moment donné bloqué, retardé. Peut-être si vous devez le rencontrer, si vous devez prendre la route pour y aller, attention. Voilà, il y a peut-être eu un retard, il y a peut-être quelque chose qui va ne pas se passer comme vous le voulez. Mais en tout cas, les choses vont finir par se faire. Il y a la signature qui est là et il y a les finances. S'il y a des projets qui se mettent en place, on voit qu'ils ont été. Un rendez-vous peut être retardé, quelque chose a été bloqué. Mais quoi qu'il en soit, il y a la réussite et en plus, il y a la signature. Alors, c'est vraiment superbe. Alors, on va faire les associations. En fait, j'en ai que deux. En 8. On n'a qu'un en 9, 1, 2, on n'a que 2 en 10, 1, 2, 3. On a 3, 10. Alors, 3, 10, c'est, y a du changement à l'horizon, évidemment. En plus, on l'a vu avec ce 10 de carreau. Hein. Il y a un changement qui arrive. On a la réussite, on a la signature, les amis. Et plutôt pas mal. Alors, ensuite, en valet. En dame, non, en roi, trois rois, eh bien écoutez, trois rois, on a une belle protection déjà, protection spirituelle, protection sur terre, mais on a également le succès qui est en passe d'arriver et on ne peut que confirmer avec cette as de trèfle qui est là et cette signature. Allez, on a effectivement des nouvelles d'un médecin pour certaines personnes, des nouvelles d'un homme officiel si c'est dans le cadre d'un projet. On a quelque chose qui se débloque, qui était bloqué, mais vous allez très vite être au courant. En tout cas, pour votre chéri, avec cet homme qui vous tient à cœur, il y a une réussite, il y a un triomphe. Quelque chose, vous avez travaillé ou vous stresse concernant le financier. On peut voir que par rapport à un événement qui était du lointain, peut-être un déplacement, un déménagement, quelque chose était effectivement ou va être un peu, on va dire, il y a un contretemps. Ça peut être tout simplement un décalage d'heure, un rendez-vous remis à une heure ultérieure. Quoi qu'il en soit, de toute façon, il y a la signature qui est là. Et c'est certain, vous démarrez quelque chose de beau. Et on voit le changement, le déménagement. C'est un succès, les amis, pour cette pleine lune. Magnifique! Allez, c'est parti avec l'oracle des miroirs. J'espère que je vais avoir assez de place. Pour nos 13 cartes, pour la pleine lune du 8 décembre en Gémeaux. Pleine lune du 8 décembre. Pleine lune du 8 décembre. Pleine lune du 8 décembre. Pleine lune du 8 décembre 2022. Ouh, il y a beaucoup de câlins, il y a beaucoup d'émotionnel. Il y a une très belle évolution sur le domaine sentimental pour certaines personnes. Très belle évolution. Émotivement, si vous mettez en place quelque chose. Très, très joli. Très chaud, les amis. Allez, 13 cartes. 1, 2, 7, 8, 9, 11, 12 et 13. Oh, elle a voulu se retourner. Regardez ce qui se retourne. Le changement, l'élévation, le voyage. C'est pas beau. Attention pour certaines personnes. Peut-être qu'on vous surveille. En tout cas, on voit que les voyages,
Le changement est là. Vous allez devoir prendre la parole, les amis. Vous allez discuter parce qu'on va certainement essayer de vous accuser, vous rendre responsable de quelque chose. Vous allez faire un gros travail sur vous-même. Et d'ailleurs, vous allez décider quelque chose, trancher. Un verdict arrive, un verdict tombe sur quelque chose qui vous tient vraiment à cœur et pour lequel vous êtes très attaché. En tout cas, vous avez un grand oui et regardez ça. Si c'est dans le domaine sentimental, ça se fait, hein, ça se crée, on acte, on se marie peut-être, on se paxe, on va nous le reprocher, on s'en fiche, hein, vous avez la réussite, vous avez un grand oui, si c'est des projets, en tout cas, on les décide, on acte, on signe. C'est que du bonheur. Et on déménage, on s'en va. Allez. Bon, les amis sont là. En tout cas, il y a de l'amitié et en toute amitié, il y a de l'argent. Est-ce que certains de vos amis vont vous prêter de l'argent? Est-ce qu'il y a eu de l'argent de prêter pour vous aider, pour vous donner un coup de pouce? En tout cas, éventuellement, pour certaines personnes, s'il y a eu un gain d'argent, il y a quelque chose qui démarre de beau, qui vont vous permettre de démarrer un nouveau projet. Vous allez pouvoir vous projeter, vous voyez clair dans vos projets là, hein, dans vos rêves, hein, vous allez vous projeter. Vous allez pouvoir prendre de la distance, bah, de toute façon on l'a vu hein, qu'on voulait partir. Hein. On prend de la distance les amis là, on a envie d'aller dans une autre ville, un autre département, une autre région, on a envie de partir en tout cas. Hein. C'est, ça sort de plus en plus. Et regardez ça, vous allez pouvoir le faire, nouveau départ, on y va, on va pouvoir se lancer les amis. Il va y avoir de ce fait un retour de situation ou peut-être un retour au calme. Enfin, et oui, avec une superbe évolution, on va pouvoir y aller, on va pouvoir mettre en place ses projets, les faire grandir. Il y a beaucoup d'amour. Si c'est dans le domaine sentimental pour certaines personnes, c'est que du bonheur. Peut-être qu'on met en place d'ailleurs une grossesse. En tout cas, il y a quelque chose de beau, il y a beaucoup de câlins. Si c'est simplement un projet émotionnellement, ben, il vous tient à cœur, vous êtes très impacté émotionnellement. Et n'oubliez pas qu'avec cette pleine lune, ça va être doublement impacté, hein, plus ou moins fort pour certaines personnes. J'ai dit qu'on mettait une grossesse en route pour certaines personnes. Hein. Peut-être aussi qu'il y a une naissance avec les pleines lunes, 3 jours avant, 3 jours après. Hein. Oh, oh, attention, attention. Donc là, on est vraiment bien sur un très beau démarrage, sur quelque chose de nouveau qui prend forme. On se lance, on y va. On a sûrement été épaulé, aidé par les amis. On officialise quelque chose, effectivement. Là, on acte, hein, on signe. On l'a vu avec le jeu de 32. Hein. Regardez ça. J'ai dit on acte, on signe. C'est pas beau, ça? Eh bien, on se lance, on y va et il y a un retour au calme. C'est un tirage magnifique pour cette pleine lune. Les amis sont là, peut-être vous ont-ils donné un coup de main au niveau du financement, au niveau finance. En tout cas, quoi qu'il en soit, ils sont ici, ils sont là. On a peut-être une naissance, on a peut-être une grossesse, mais on a peut-être une naissance qui arrive là, pour ces prochains jours. En tout cas, il y a un nouveau départ, vous allez vous projeter. Hein. Vous avez envie de partir, vous avez envie de prendre de la distance sur pas mal de choses, et bien vous allez pouvoir le faire puisqu'une proposition va arriver là. Il y a un retour au calme, il y a quelque chose de beau qui va se présenter à vous là. Et de ce fait, et ben on va pouvoir les monter ces marches, on y va. Il y a peut-être beaucoup d'amour, il y a peut-être beaucoup de sentimental, mais il y a peut-être également beaucoup d'émotions autour de votre projet, peut-être de retrouver un enfant, de vous rapprocher d'un enfant aussi, c'est tout à fait possible en tout cas. On fait également des démarches, hein. On acte quelque chose très officiellement puisqu'on le met en place. On le signe, on le décide et il y a un retour au calme. Oh, c'est un très beau tirage, les amis, pour cette pleine lune du 8 décembre que certaines personnes vont traverser très, très, très émotionnellement, très, très forte. Hein. En plus, pour certaines personnes, c'est plus ou moins impacté. La lune du mois de novembre avait fortement moins impacté, avait été puissante, hein, comme on dit, elle avait déboîté. Donc là, à voir un petit peu comment tout à chacun vont passer les émotions de cette pleine lune. Allez! Monsieur Béline, pleine lune du 8 décembre 2022. Monsieur Béline, pleine lune du 8 décembre 2022. 8 décembre 2022. La coupe, le 8 décembre, vous avez l'appui, c'est pas beau. Vous avez le soutien en bas sur terre. Là-haut, vous avez l'appui. Alors, il peut y avoir des discussions vives, il peut y avoir des discussions animées, peut-être pour défendre votre projet, toutes sortes, parce que quelque chose n'avançait pas et ça va vous agacer. Et regardez, vous avez la clé qui arrive là. Et donc, de ce fait, vous êtes appuyé. Bon, c'est plutôt pas mal, non? Allez, monsieur Béline. 1, 2, 3, 4.
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Hop, voilà. Est-ce que vous les voyez toutes? On va remonter ça. Hop. Alors, au dos, nous avons discussion vive, malgré qu'elles aient été retournées. On le retrouve, c'est que ça doit parler. Hein. Mais de toute façon, vous allez avoir des plaisirs. Hein. Donc, vos discussions, elles vont très bien passer. Alors, elles sont peut-être en famille, hein, vos discussions. On voit qu'on retrouve les amis qui sont là, niveau couple, au niveau accord, au niveau union, des choses qui se font. Peut-être on va enfin pouvoir se reposer, passer à autre chose. Le retour au calme, on l'a vu avec une superbe élévation. Hein. Donc, c'est bien confirmé. Alors, le départ, les amis, c'est pas joli, ça. On voit bien que le départ, il est là, c'est ce que vous souhaitiez, de toute façon. Les cadeaux, le départ va être vraiment, c'est comme un cadeau hein, qui va vous être amené, là, j'ai envie de dire, sur un plateau. Regardez, je venais de le dire. Eh, les clés, la destinée. Il y a quelque chose de beau qui se présente à vous, les amis. Et c'est bien dans le foyer, dans la maison. On se sentait enfermé. On va pouvoir l'ouvrir, cette maison. On va pouvoir ouvrir tout ça. Regardez ça, le changement. Le changement arrive. Grâce à l'argent, l'argent arrive. Si vous étiez en attente d'un prêt, si vous étiez en attente d'une vente, d'un changement, on voit l'argent est là, collé à la clé en plus. Hein. Regardez ça, nous retrouvons l'appui. Vous êtes appuyé, vous allez être aidé. On a pu voir aussi qu'il y avait un coup de main, amicalement également. Vous allez pouvoir prendre connaissance des nouvelles choses qui vont arriver, des nouvelles informations, des choses nouvelles qui se pensent à vous, qui étaient certainement bloquées, qui étaient coincées, qui n'avançaient pas, c'est ce que vous aviez l'impression. Vous allez pouvoir le fêter en tout cas, il y a quelque chose de beau qui arrive, là, on va le fêter. Il peut être question également d'une invitation, les amis, hein. Une invitation dans le foyer, une invitation familiale, bah, peut-être pour fêter l'événement, tout simplement, hein. Voilà, on voit qu'il y avait eu du retard. On va la recouvrir, retard, hein, et que vous vous sentiez attaché, vous vous sentiez, on va dire, prisonnier. Les choses évoluent, on voit très bien que vous souhaitez partir, hein, qui vont être vraiment, c'est comme un cadeau, ça va arriver, puisqu'il y a la clé qui est là, ça va se passer, c'est dans le foyer, dans la maison, il y a des envies d'élévation, il y a des envies de changement, il y a des envies de déménagement, ça ressort de plus en plus. L'argent est là, l'argent arrive, hein, les amis. Hein. Alors, allez, retard, pas bouger, et ici. Alors, sur du retard, regardez, vous avez les honneurs, donc nos problèmes. Ça ne bougeait pas, parce que peut-être qu'il y avait un souci, tout simplement. Et ce qui ne bougeait pas aussi, c'est vous, vous ne sentiez peut-être pas bien. C'est ça aussi qui fait que, regardez, hein, d'accord, vous savez ce qu'on dit, on souffle, on avance, ok. Et la renommée, c'est pas beau ça. Les projets sont là, vous avez envie de partir, vous allez pouvoir le faire, c'est perçu comme un cadeau. On voit aussi que vous avez les clés, la solution dans le foyer, dans la maison. Enfin, vous allez pouvoir faire votre changement. Votre changement, il est grâce à l'argent qui arrive. Vous avez en plus le superbe appui qui est là. Vous avez peut-être découvert certaines choses. Ce que vous avez pu découvrir aussi, c'est des choses qui vous ont un petit peu, qui n'avançaient pas, qui vous ont perturbé, tout simplement. On vous dit de souffler parce que les choses vont avancer. Effectivement, vous allez pouvoir fêter la chose. Ou bien aussi, il y a une invitation qui, certes, peut-être ne vous emballe pas. Mais il y a une invitation au sein du foyer, hein, pour certaines personnes également. Alors, effectivement, cette invitation au sein du foyer, sur du retard, elle va arriver et vous avez les honneurs. Cette invitation où vous allez fêter quelque chose au sein du foyer qui avait mis un peu de retard et on voit qu'on a les honneurs, tout va bien. Et en fait, c'est quelque chose qui peut-être vous étiez encore lié ou vous ne vous sentiez pas libre. Eh bien, regardez, la renommée, les choses vont se décanter. C'est d'un tirage magnifique pour cette pleine lune. En tout cas, je vous le souhaite. N'oubliez pas, bien entendu, que c'est un tirage général, que ça peut ne pas parler à tout le monde. Vous ne prenez que ce qui résonne en vous, qui vous parle, des petites brides de ce qui vous parle, de ce qui peut vous interpeller. En tout cas, c'est un tirage magnifique. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous parlera, qu'il vous aidera. Merci en tout cas pour votre soutien, votre fidélité. Je vous retrouve comme d'habitude pour les tirages journaliers, pour les tirages de la semaine. Et je vous dis à bientôt.
Thank you.